Alléluia, bonjour les bien-aimés. Voilà, c'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons dans le nom puissant de Jésus. Il faut te connecter, il faut s'abonner et il faut aussi apprécier. Alléluia. Voilà, nous allons prendre le psaume 51. Voilà. Voilà, nous allons lire le psaume 51 qui va nous faire du bien. Voilà, parce que vous voyez, les gens jettent des sorts, que tu sois dans ton service, à la maison. Les gens, bon, voilà, des gens qui ne te connaissent pas, même ceux qui te connaissent, qui ne sont pas chrétiens comme toi et moi, hein, jettent des sorts maléfiques sur ta vie. Donc, il faut prendre le psaume 51. Il faut méditer ce psaume-là pour chasser tous ces démons. Alléluia. Donc, nous allons lire ce psaume. Alléluia. Au chef, le psaume 51, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Enseigne-moi, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ te renouvelle ce matin. Que le Seigneur soit avec toi. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te renouvelle. Que le Seigneur accepte tes prières. Que le Seigneur accepte tes prières. Toutes les prières que le Seigneur accepte, il agrée tes prières. Que son nom soit béni, que le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, que nous prions, soit béni.
Notre Dieu est fidèle, il pardonne. Alléluia. David a dit dans ce chapitre, il a dit qu'il a versé le sang innocent parce qu'il a tué le mari de Bathsheba, il a pris sa femme et il l'a tué, il l'a fait tuer. Dieu pardonne. Donc toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, Dieu pardonne. Donc ne te culpabilise pas. Le Seigneur est là pour te libérer. Le Seigneur est là pour te bénir. Le Seigneur est là pour te sauver. Il est venu te montrer le chemin, la route. Il est venu, il veut t'aider. Le Seigneur te tend la main, il veut t'aider. Il veut que tu ailles de l'avant. Il ne veut pas que tu sois là comme ça. Tu t'es fait un carré chez toi. Tu t'es fait de mauvaises idées. Mais Dieu veut te faire sortir de là. Dieu veut te sortir de l'endroit où tu te trouves. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que Jésus-Christ soit avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur ta famille. Que Dieu veille sur tes enfants, ton conjoint. Que Dieu veille sur ton travail, ton salaire. Que le Seigneur veille sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. C'est votre servante Moyer. Au revoir.